an earner for me, and I appreciate that. I'm throwing you a bone. What are you waiting for? Throw it. There's some fool called Talbot. Talbot Daniels over in the Triangle. He's into me for about 10 G's, and he says he might know something about Florian Kravitch. Florian? Your days of searching are over, my friend. This guy should point you in the right direction. Oh, émission. Salut tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de GTA 4. Alors je sais, les épisodes, voilà, il n'y a plus vraiment de rythme. Est-ce que... Attendez. Ah d'accord, ok. Je sais pas du tout ce qui se passe, hein. J'ai eu un coup de fil, je vous l'ai pris, voilà. On voit. Can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just name it. You want some women? I met this... He's not that. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Putain, sérieusement? Mais j'étais à l'appartement, non! Vite, prends cette voiture. Ça rappelle un peu la voiture des Léon. Donc, on continue la suite du let's play de GTA 4. Alors, je sais, le rythme des épisodes n'est pas du tout ce que je disais parce que j'ai pas réussi à le tenir. Tout ça. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir tout doucement. J'ai eu plein de problèmes, notamment de PC. Et du coup, voilà, des fois, j'avais pas envie de tourner. Puis, surtout, pendant une semaine quasiment, j'ai pas pu tourner. C'est surtout ça, le souci. Enfin, je pouvais tourner, mais je pouvais pas faire de montage. Donc ça me cassait les couilles. Et voilà, c'est bon, on est reparti. En plus, mon strike se termine vendredi. Et oui, parce que je voulais vous faire la vidéo de... Enfin, je vous l'ai faite, d'ailleurs. La vidéo découverte de Ratchet & Clank, le nouveau. Le jeu que j'attends le plus cette année. Sauf que je voulais vous la sortir aujourd'hui. Sauf que le souci, c'est que j'avais oublié mon strike, en fait. Donc je peux pas. Donc elle sortira soit samedi, enfin soit vendredi, si le strike saute rapidement, soit samedi, voilà. Donc du coup, je sais plus ce que j'avais dit en fin d'épisode la dernière fois, si on faisait Derek, Ray, je ne sais plus. En tout cas, Ray nous a appelé et j'avais pas du tout prévu cet appel, hein, comme vous avez pu le voir, hein, parce qu'il y a eu l'intro après l'appel, ce que je ne fais jamais, c'est vrai. Ça, c'est la voiture que j'avais préparée, du coup. Bah, faut monter, mon gars. Bah oui, allez, monte, viens, mon gars. Salut. Alors, Romaine, qu'on n'a pas vu depuis 1000 ans, hein. Va voir Talbot. Je me rappelle plus du tout. Mais vraiment, cette mission, je m'en rappelle tellement pas. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, finally going to kill Florian Kravitch. Oui. Je suis plutôt content, ça se voit. The bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean, you fuck up and I take this shit! You kill the wrong guy, and his friends will fuck with me to get to you! I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board to have so many cuts on me. You are a rich chopping board. Ah bah oui, l'argent ça fait tout, on le sait. Sometimes you just gotta let the hate go. You really going to feel better once Florian is dead? Soon, we will find out. Alors, je laisse finir les dialogues. Juste une dernière chose. Je sais qu'on avait dit... Enfin non, on en parlera après. On avance. Parce que sinon, on n'a pas fini, sinon. Let's go talk to him. He's always at the games being held around Algonquin. Not too good, either. I don't think I've seen him win a hand. Hey, I hear you know Florian Kravitch. Where is he? Florian Kravitch? I don't know what you're talking about. I've been head to head with this guy a few times, NB. I know his tells. Bah oui, ça se voit. De toute façon, ça se voit qu'il est pas serein, le gars. He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right, already. There's a guy I know, likes to be called Florian Kravitch at certain moments. Lives uptown somewhere. Show me. Trouve une voiture à 5 portes. Ah merde, on va abandonner, bon on va prendre celle-là, je sais pas si elle est là exprès, bah, on la vole, ok donc elle est là exprès. Parce que, enfin il a pas pété la fenêtre tout ça donc c'est quand même assez louche. Allez. Oh j'ai bloqué les portières, je suis désolé. Ah non mais par contre, t'es con? Ah non c'est bon, ah si t'es un peu con. Ah ouais t'es carrément con, ok d'accord. Ok super, on fait ça alors. Ah non, je déteste! If you screw me around, you are a dead man. Okay, if I'm right, Bernie's place is somewhere uptown. Oh, I think if I'm not wrong, it's straight. Il va falloir suivre ses indications. Et je déteste cette mission. Enfin, je déteste ce... Pas la mission, pas forcément la mission, mais ce genre de truc,
C'est pas mon dada, quoi. Bah là, on est plus dans les quartiers chics, hein. Putain, je sais plus où il habite, l'autre con. Du coup, on va y aller doucement, mais sûrement. Parce que, voilà. Donc, je disais, je sais que dans les commentaires, vous m'avez dit... que pour moins payer le taxi, ou en tout cas avoir le taxi gratos, vu que j'en prends beaucoup, de me servir de remède, en fait, au bout d'un moment, quand tu deviens pote avec lui, c'est comme avec avec Jacob, et bah il t'offre les taxis gratos. Le truc, c'est que j'ai joué genre un quart d'heure, 20 minutes avec Roman déjà, et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, mais genre grave. Je sais que Dwayne, par exemple, quand tu deviens pote avec Dwayne, il peut t'envoyer des renforts pour t'aider. Mais c'est chiant. Ah, c'est vers là, je crois. Oui, c'est ici. C'est ici, non? Je crois. Oui. This is Bernie's place. Are you going to kill him? Non. Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Je peux finir mes explications, s'il vous plaît. Enfin, je parlais, quoi. Ok, bon, c'est pas grave. C'est ok, on fait ça. Merci Nico. Merci beaucoup. Nico, be calm. Fuck, calm. Florian, on the sun's book, tebe durga gior, ot vori. Florian! I've come for you, Florian. Oh, go away! Oh mon Dieu. Florian. Yesi Toti. Nico? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the, Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What wasn't me? Who set us up? It was you or Darko! I thought it must be him! Oh my god! You think it was me! That's why you are here! You've come to kill me! Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman! It wasn't me! It wasn't! I wouldn't do that! Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now! After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach. And I teach an aerobics class. And I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see... Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? What
Alors, le Bernie, enfin le Florian, on va l'appeler Bernie du coup, vu qu'il s'appelle Bernie. Je crois, alors je peux dire une bêtise, hein, mais je crois qu'on taffe pour lui, à un moment. Je crois qu'il va nous donner une mission. Oh. Merde. Je suis désolé. En fait, j'ai appuyé triangle pour monter dans la voiture, mais du coup, ça a raccroché. Ah, je suis dégoûté. Je suis désolé. Du coup, on va voir Ray. Parce que j'étais pas... Ok. J'étais parti pour voir Ray. Donc, je finis ce que je disais avant. Donc, en gros... On va m'appeler ? Non. En gros, tout ce qui est devenir pote avec Paki, Dwayne, Roman, tout ça. Même si Paki, je sais plus ce qui... je crois que c'est... Ah, je crois qu'il nous, il nous offre une bombe. Enfin, on peut utiliser une bombe, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça pour Paki. Enfin, vous me redirez si c'est pas ça. Bref, je vais pas les faire. Pour moi, le plus important, c'était Jacob. Alors, même si, effectivement, devenir pote avec Roman, ou en tout cas, vraiment avoir sa compétence spéciale, d'avoir les taxis gratos, évidemment, c'est cool. Le truc, c'est que c'est chiant, en fait. Et honnêtement, je pense que les taxis vont pas me ruiner tant que ça, en fait. Ah bah voilà. Thank you, cousin. That could be very useful in this city. Bah, impeccable. Mais j'avais même pas besoin de devenir pote avec lui. Putain, il y avait juste besoin d'avancer dans l'histoire. Ah. Oh, une quête annexe. Alors, les quêtes annexes... Ah, j'avais dit que je les ferais en stream, mais finalement, elle est là. On peut... C'est qui? Ah, mais non, mais alors lui, si. Alors lui, même si c'est une quête annexe, faut lui parler. Enfin, pour ceux qui... voilà, vous allez reconnaître vite. Enfin, si vous suivez l'espèce depuis le début, normalement, c'est bon, quoi. Salut. Hey. Nico. It's me, Hosan. Hosan, how are you? Wow, man. It's good to see you. Ah, you too. So you stayed. Yes. And you, did you meet your cousin? Yes. Things have been complicated. How about you? Non-stop madness. Brilliant. I have met a lot of lunatics and life is wild. My friend's uncle gave me a job selling handbags. Knockoffs, you know. Sure. It's so easy. Easier than working on the goddamn boat anyway. And women, they love you. Man, after 3 months on that ship, let's just say I was not cut out for the sailor's life. Ah, shit. It's good to see you. You too. Hey, Hosan speaking. Yes, I'm on my way. Nico, what are you up to? Nothing too urgent. Hey, why don't you walk with me? I've got to go collect some money. Okay, sure. Great. Alors, c'était pas prévu, mais voilà, c'est une petite quête annexe sympa. Et puis, c'est notre pote, celui avec qui on est arrivé à Liberty, tu vois. On est content de le voir. Ah, faut une voiture. Désolé, je croyais qu'on allait. Désolé, je croyais qu'on allait y aller à pied. Ok, bon bah viens, je t'attends. This guy's just over on Castle Drive. Castle, oh c'est pas loin, oh là 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 là, on est tranquille. Tranquille mon gars, tranquille. What are you up to, Nico? This and that, I make money how I can. It's hard for us without visas. People don't want to treat us good. Amount of times I've done. Je suis désolé, je vais te couper, mais on est arrivé. Alright, here's where he said he'd meet me. Wait here. Bon évidemment ça va mal se passer, hein, comme d'hab. Enfin, je crois. Hey man, you got that money? I've been waiting a while. I forgot to ask. You got a visa? I ain't giving good American currency to an illegal. Pardon? Quoi? Mais il a même pas répondu. Putain, non, mais j'ai pas une voiture de sport. Regarde ce qu'il a, lui. Récupère l'argent. Bon, déjà, faut pas faire péter la bagnole parce que sinon l'argent va brûler du coup. He's running for it. Catch him. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton pistolet, toi? Reste à ta place. L'argent! Cassez-vous! Attention, Hosan. Attention. Attends. On va attendre que ça pète, parce que là, je retourne pas là-bas, moi. Bah alors. Attends, on va piquer une voiture. Il y a que des taxis, ici. Oh merde. Vite. Ok, on se dépêche. There ain't no point in getting screwed over by every chump in Liberty City.
Yeah, man. Maybe I should. I got some money. Oh merde, y'a un commissariat. Ah, ça fait boum. It would be, as long as I don't give them all to the first woman who gets into bed with me. Ok, normalement je devrais perdre mes étoiles grâce à la fin de la mission. Nico, you're amazing! A fucking savior! This was one more wild trip in Liberty City. Made me think I should settle down though. Get that dog we talked about. Really? Yeah, I don't know. Here's some of my pay. Call it the stuff. I'm not giving you the tax. Quand même. C'est du racket. Thanks, man. You didn't have to do this, but thanks. Et bah voilà, un pec, c'était une belle petite quête annexe, ça. J'ai tapé un flic. Oh merde, si, ils m'ont repéré finalement. Vite. Touche Ray. Vite. Ray. Hop, pardon. Ah non, mais attends, je vais pas me faire arrêter. Attends, je laisse mon taxi là, on le reprendra plus tard. Listen to me, Isaac. Listen, Dick. It's not my fault you got robbed. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want a me killed? Oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, you know what? I ain't even started yet, you thieving fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking luck! Ray. The fuck do you want? You told me to come. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, I'm sorry. Me too. Fuck it. Oh, l'animation des bougies. C'est beau. That curly head. Leech is gonna talk. Go shut that stooge up. Shut who up? Isaac, the diamond dealer. He's blaming me for everything. Everything. Even the shit we didn't do. Now I got no money, no diamonds, and this dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Hey, can I get a coffee, please? Quand il a dit 2 ou 3 à l'arbin, j'ai ri très fort. Parce que 2 ou 3, faut mettre 10 devant. Donc t'en as une trentaine, quoi. J'ai un message. S'il vous plaît, je peux le regarder. Ah, c'est Bruce, mais on s'en bat les couilles. Alors du coup, on va aller tuer Isaac. Et finalement, je l'ai tué la dernière fois, mais on m'a dit, ouais, c'est pas bien. Bah, finalement, vous auriez pu me laisser le tuer, hein, c'était pareil. Putain, mais c'est chiant, cette route qui est bouchée, quoi. Ça, c'est un... Bah oui. Dans GTA 4, c'est un truc qui me saoule, c'est la route qui est en travaux ici, quoi. Enfin... pour moi, en fait, pendant... J'arrive plus à parler. Au fur et à mesure du jeu... Eh ben, elle aurait dû se construire, en fait. Elle aurait pas dû rester bouchée pendant tout le jeu. Je trouve ça hyper chiant. C'est bon, sur PS2, tu vois, ça passe. Tu vois, il y a des rues dans GTA 3 qui sont cassées et qui sont pas réparées jusqu'à la fin du jeu. Mais là, on est sur PS3, les mecs. Faites un effort. Hop. Pardon. Je ne fais que passer. Regarde. Hop. Aïe. Et regarde, attention. Attention. Et voilà. C'est tout pour moi. Salut. Trouve un moyen d'accéder à la suite présidentielle et élimine Isaac et les trafiquants de diamants. Excuse-moi Spirou, je peux prendre l'ascenseur ? Ça te dérange pas, on a le droit, je pense. Quelqu'un peut répondre au téléphone, ça me saoule. Ok, c'est parti. Je suis pas à l'aise. Hein. Oh.
Oh putain. Putain mec, si j'avais un bazooka ici là. Par contre, le cadavre. Tu me gênes un peu quand même. Calmez-vous, calmez-vous là. Tiens, des bons becs. Tu veux des bons becs? Attention. Il y en avait un qui était vivant encore en bout. Voilà, là on n'en parle plus. Ah, il en reste un. Calme-toi Nico, ça va pas te crier comme ça. Oh, oh oui. Oh, c'était beau. C'était magnifique ça. J'adore cette mission, hein, je vous le dis. Putain, on peut se mettre à couvert quoi, faut que j'y pense, ça m'avait tellement manqué. Ah bonsoir. Vite, discrétion. On est discrétieux. J'ai pris... Oh, d'où? Qui m'a mis une balle? Bah, vise, Nico. Attendez, calmez-vous, vous allez péter le mobilier. Attendez, tenez, prenez ça. Attends, j'ai mal visé. Tiens, prends celle-là plutôt. Attention derrière toi. Oh, putain, y en a, il a volé. La table va pas te couvrir pendant 1000 ans. Je sais pas trop ce qu'ils ont comme balle. Je t'ai vu, hein. Non mais je t'ai vu, pour de vrai. Hop. Il en reste deux en haut. Attendez, ici il doit forcément avoir de la vie. Ou un garde caché. Oh putain. Mais y a pas de gilet pare-balles quoi, ils ont jamais de gilet pare-balles les mecs. C'est fou ça. Attends, t'as un garde du corps. Attends. Bah ça va, hein. Écoute, c'est pas trop dur. Pourquoi il y a un deuxième point rouge? Moi j'ai un peu peur. C'est toujours la faute des autres. J'essaie de lui faire peur. Bon allez, on arrête, on le tue. Chut, ta gueule. Threatening to kill people is not a good idea, Isaac. Bon, par contre, il faut faire gaffe parce qu'il en reste un. En tout cas, il en reste un. Ah, mais non, il est plus haut. Ah, mais oui, on doit aller plus haut, je crois. Aller plus haut. Voler comme un oiseau. Mais t'étais pas sur le radar, toi. Ah, j'ai tué quelqu'un, mais alors qui, je ne sais pas. Mais j'ai tué. Barre-toi de l'hôtel. Pensez que si je passe par là, comment ça va se passer? Allez, mourez. Vous m'attraperez pas. Pardon. Vite. Hop, tranquillement. Tranquillement, on descend de la nacelle. Au calme. Avec les flics en bas. T'inquiète. Hey, y a du monde à New York, hein. Eh oh. Il y a des embouteillages en bas, faites gaffe, hein. Faut surtout pas prendre sa voiture à ce temps-là. Il y a tellement de monde là dans la rue. Ah, attends, ils apparaissent. Ils arrivent petit par petit. L'oison fait Sony. Est-ce que je vais encore avoir les étoiles? Parce que finalement, c'est bon, là j'ai quitté l'hôtel. Vous pouvez me les enlever, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Vite. Fuyons. Ça c'est un petit défaut, c'est que c'est pas comme dans GTA V, genre les flics ils me voient, ils devraient pas me voir en fait, si vraiment ils me voient pas. Mais là vu que je suis dans la zone, et bah ils me voient. Par contre, c'est pas le moment. Mais c'est pas le moment. Mais les flics arrivent. Pay with the money, and every other mouth that came close to those diamonds is closed for good, except for yours, that is. You
you gotta be grateful for that. Screw you, Ray. I ain't your cleanup guy no more. You get that? Alright, Nicky, alright. Oh non. Respect or nothing. You're still just another straight off the boat. Oh, c'est bon. It can get real scary if you don't got friends. You remember that. Mais enlevez-moi les étoiles! Pourquoi j'ai encore des étoiles, moi? Oh, vite, ta voiture! Hé! Hey. Écrase-le, comme ça tu vas t'arrêter. Vas-y. Arrête. Dépêche-toi, Nico! Vole-lui sa voiture, voilà, vas-y, on fait ça. Ah, et du coup, il reste que d'Eric. Ah, attendez, non. Nico, il faut que tu viennes me retrouver Phil et moi dans un dépôt sur Normandie. Ciao. Ok, alors du coup, on va pas y aller. On va d'abord semer ces connards. Et après on voit. Alors je pourrais faire quelque chose de très la triche. Parce qu'il y a eu la sauvegarde automatique. Donc je pourrais recharger la sauvegarde automatique et perdre les flics. Sauf que, on est d'accord, c'est complètement de la triche. C'est pas bien, c'est pas beau, tout ça. Évidemment. Du coup, je ne vais pas le faire. Mais je pourrais. Oh là, Dieu sait. Dieu sait que je pourrais. Pardon. Bah, d'accord, je passe par là. J'ai envie de sauter. Ah, il y avait quelqu'un avec moi. Attends, viens. Voilà. Voilà, t'es bien là. Attends, je vais prendre un taxi. Parce qu'on va aller voir Derek. Non, on va pas se battre. Attends, je m'éloigne bien pour pas qu'il vienne me faire chier. Hop, et allons voir Derek, le frère de Paki et également de... comment il s'appelait l'autre? Francis. Voilà. Ah, allô? Allô, j'ai dit. Bernie Crane, the Muscle Mary? Come on. Fuck you. You think I wouldn't have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some reunite old boyfriend service. Look, I was in the army. I know it gets lonely. I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you, but I'll help you again. Wait for me to be in touch. Eh ben, impeccable. Alors, je sais que Derek, à un moment, il nous fait faire un choix, je crois. Enfin, je sais plus si c'est lui. Je ne sais plus. Alors, du coup, pour l'instant, j'enlève pas la sauvegarde automatique. Mais j'ai peur. Voilà. Je vous le dis, je suis pas très rassuré. Mais voilà, je sais que c'est pas au début, donc on est bien. Brother, I'm supposed to take care of my family. Hey! I'm beyond being taken care of now. Hey! Hey! Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Cool. Oh! Hey! Ah! Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey! Sit down. That's pretty good gear. Pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So... what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up, but I tried. I made a mistake, but I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo.
Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Oh non, pas encore. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. His pals up. Non mais j'en ai marre moi de l'ordinateur de la police là, ça fait 3 fois dans ce jeu. C'est bon quoi. Il faut la trouver la voiture. Ah bah coup de bol. Aou. Pardon. Tu as un problème? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? À vous deux. Je vous prends tous les deux. Oh non putain. Qu'est-ce que vous voulez? Oh putain. J'ai toute la cité sur moi. Vite. Courons. Non mais c'est bon, je m'excuse là. Pardon, je referai pas. Tiens. Non. Vite. C'est quoi ça? Oh oui, un gilet pare-balles. On monte là? Et merde. Putain, mais c'est ridicule. Vite, faut que je vole cette voiture là. Vite. Il était pas très contrôlé ce dérapage, j'avoue. Oh merde, ils sont encore là. Ils sont tout le temps là. Vous êtes relous les flics. Eh la police, vous êtes trop relous hein. Et franchement. Je vais pas assumer le personnage que je vais faire donc non, on arrête tout de suite. Vite. Mais putain, c'est lent. Oh putain. Bon là c'est une grande route. Enfin une grande ligne droite. Voilà, on va y arriver. Allez, go. Allez. Le truc, c'est de passer sans que le cercle se ragrandit. Mais c'est bon, on est bien normalement. Ok, on est bien. Alors, utilisez ça pour trouver la planque. Consulter les archives, j'imagine. Par nom, et c'est Bucky. Cherche Bucky Sligo. Je ferai pas de blague. Hein. Je vous le dis d'emblée. Sligo. Ah bah voilà. Il habite où? Allez, bah c'est parti, on peut mettre les sirènes en plus. On est de la maison maintenant. Hey Derek, apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Go check it out. Make sure it's poison there. I went there all the time. Well, if he's alone. Keep the police call. He'll see you and think you're taking him down. First thing fuck you'll do is run back to his crew. Fucking coward. You'd rather everyone go down. I guess you did, man. I'll tell you when it's done. Je crois que je me souviens de cette mission, je crois. Est-ce que le gars tient, enfin, est-ce que ses potes c'est pas dans un magasin de, dans un merde. J'ai oublié le mot. Un concessionnaire, je crois, hein, ou un garage de voitures là. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. On va enlever les sirènes, j'en peux plus. Hein. Voilà, je vous le dis. Je sais plus du tout, putain. Le truc, c'est que là, on va partir en course-poursuite, hein. Clairement. Parce qu'on se doute bien qu'il va pas être avec ses potes, du coup, vu qu'ils ont dit ça. Hein. C'est un peu le souci. Putain, Alderney, quoi. On y est enfin. Le truc, c'est que maintenant qu'on est un peu à Alderney et qu'on touche un peu... On y est carrément, parce que Phil, c'est Alderney. C'est qu'on approche de plus en plus de la fin. Voilà. Et ça, c'est cool.
Je sais plus combien de temps durent les DLC Getaway et The Last of Us. Lost and Damned. Si vous avez une idée, dites-le moi. Si vous le savez, dites-le moi. Si vous avez une idée, dites-moi que vous avez l'idée, mais ne me dites pas ça va durer 10 heures. Alors que vous en savez rien. Shit, Bucky, it's the cops. Your buddies. Attendez, je me concentre un peu. Pourquoi t'as mis les sirènes, arrête. Mais si vous avez une idée, je veux bien savoir. Parce qu'en fait, moi, pour moi, le truc, c'est que on finit tous les GTA 4, donc celui-ci, Gettoni et Lost and Damned, pour cet été. C'est-à-dire fin juillet, début août, on devrait avoir fini. Et comme ça, début août, fin août, on commence GTA 5. Et comme ça, fin d'année 2016, donc genre décembre, on est fini GTA 5 en fait. C'est ça mon projet en tout cas. Hein. Voilà, et une fois qu'on aura fait ça, et ben on commencera une nouvelle série. On commencera autre chose, on jouera autre chose que GTA. C'est-à-dire que si tu me suis que pour GTA... Ah, tu vas être déçu hein, du coup, hein, parce que t'arrives à la fin là. Hein. Après, tu peux rattraper ton retard en regardant les autres let's play, mais si tu me suis que pour GTA, bah dis-toi qu'en fin d'année, tu vas plus trop m'aimer quoi. C'est con, je suis sympa hein, dans la vraie vie, hein, sinon. Oh, le taxi, il a fait un truc chelou. Ah, mais non, mais oui, je me rappelle d'ici. Salut. Attends, voilà. Ok, maintenant on peut rentrer. Je propose qu'on rentre en fusil. Ça se casse ça? Oh la déception. Alors moi je ne vois absolument rien. C'est très sombre. Vous voyez un peu mieux que moi. Je le vois sur le retour. Ok, bon, j'en ai fait qu'une bouchée de tout cela. Ah, salut. Fais baisser ton indice de recherche. Oh putain, j'en ai marre. Oh là là, 3 étoiles! Ah, mais oui, je me rappelle de cette mission! Le plus dur, c'était de perdre les étoiles! Oh non, la voiture qui est cassée! Oh putain! Toi, s'il te plaît! Allez. Oh putain. J'ai tellement pas envie de perdre. Oh, elle s'est fait tirer dessus mais elle respecte les feux rouges, c'est cool. Aouh. Vite. Oh non. Non. Le malchance. J'ai le pneu crevé. Putain. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, on ira plus vite avec celle-là. Non, attends, on va leur piquer leur bagnole. Le but, c'est de pas avoir 4 étoiles. Ce qui est quand même mal barré, hein, je viens d'en tuer 2. Je sais pas. En fait, soit on prend une voiture banalisée et et on va au pen spray. Soit on garde cette voiture, mais c'est très compliqué quoi. Écoutez, on va aller voir vers le pen spray. Et si on n'a pas trop de flics qui nous suivent et qu'il y a une voiture banalisée, on la prend et puis on la repeint quoi. Ah merde, il est en dessous le pen spray, non? Oh putain, si on va assez vite. Ah merde, non, il y en a devant. Il est carrément en dessous même. Merde. Oh bah lui. Bah du coup on va redescendre. Oh. Le truc en fait c'est de semer un peu, tu vois, d'être tout seul. Et on voit ce que ça donne. Putain mais en fait quoi qu'il arrive en fait je dois aller au pen spray. Parce que je vous explique, quand je m'approche de la fin du cercle, le cercle regrandit alors qu'on m'a pas vu. Et c'est pas l'hélico, il était hyper loin il y a 2 secondes. Donc je suis un peu déçu là. Oh, il arrive à fond lui!
Merde. Ma voiture, elle sonne. Arrête de sonner. Arrête. Oui, le pain spray, il est juste là. On peut le faire. Oui. Oh putain, merci Axel. Et bah voilà, ils ne chercheront pas dans cette couleur. Mais normal. Normal, j'ai envie de dire. Du coup, Derek, tu vas me rappeler, j'imagine. Parce qu'on n'a pas qu'une mission pour lui. Putain, comment c'est sombre. What? Bucky dead? Good. Yeah, alive. But dead. So I'll say living, dead. I'll speak to you when you're. Ah, on peut passer. Mais je ne savais pas. En fait, quand j'appuie sur la flèche du bas, ça passe le dialogue. Enfin, ça skip juste la ligne de dialogue qui est affichée ou qui a commencé. Je ne savais tellement pas. Enfin, je devais le savoir, mais je me rappelais plus quoi. Du coup, on va aller voir Phil, vu qu'il m'a pas... Bah, il m'a pas redonné de rendez-vous. Du coup, nous partons voir Phil. Avec Ray, parce que je crois qu'ils sont tous les deux. Hop. Ça va s'ouvrir si je me mets là. Oh, pas qui, putain. Nico, there's an old Irish tradition that says you gotta go out and get wasted with your friends. Non. Au revoir. Alors je sais, tu es désormais pote avec Paki. Yes. Bah ça commence bien. Il doit être content d'être copain avec moi. Eh, on peut se garer. Bon, on n'est pas très droit, mais ça passe. Ah, that thing? Our friend did what? 37 and 8? No. What about them swingers? How's Molly? The kids? Beautiful. Okay, yeah, I gotta go. Ciao. Hey, Ray, so, who's the pal? Phil, your mama Nico, is a good friend of mine. Can we talk? Sure we could talk, as long as we don't talk too much. Interesting times, you know what I mean? Did you hear about our friend, the guy with the thing? Yeah, you mean Harry the... guy with the hat? No, the guy with the, you know, the... but a beep and a boop. Yeah, the guy with the... and the... Yeah, that guy. Yeah, I heard. So be cool, Ray. Listen, I need to speak to you alone. Yeah, Phil, see, that's the thing. I kind of know what you're gonna ask, and I can't. What do you mean you can't? I can't do it, Phil. I got a lot of interest right now, business is really taking off, and I don't want any distractions. Well, as you could see, I got my own issues here. Look, Nico is good. He'll do what you need. And you say he's a friend of yours. Sure. Good to meet you. Yeah. Come here. The Triads have this big chunk of brown they're desperate to get rid of. Talking about it all over town. Wanting to offload it at any price. They think it's cursed or something. Prove it is. Take it from them. It's loaded into a truck going to Franklin Street and Westdyke. Get a hold of it and give me a call. Sure. But Mr. Bell, it's going to cost you. You got it, no problem. Great. Say, nice stereo you got there, Phil. Thanks. Yeah, so Philly, you ever hear from your ex-wife? What kind of question is that? Just asking. Get the hell out of here. Every time, this motherfucker. I'll be in touch, Nicky. Oh, on m'a donné une jolie voiture. Va dans la ruelle. Alors, j'ai le souvenir peut-être de cette mission, et si c'est ça, je me rappelle que cette mission m'avait un peu vendu du rêve. Alors, faut savoir qu'à l'époque, quand GTA 4 est sorti, j'avais pas du tout, mais genre pas du tout la PS3, vraiment. C'est-à-dire que moi, les seuls trucs qui me faisaient rêver avec GTA 4, j'ai dit GTA 3, je ne sais pas, GTA 4, c'est un magazine que j'avais, alors je sais plus le nom du magazine, je l'ai encore, si tu veux, je vous le ressors là tout de suite. Hein.
Je sais juste plus son nom, mais il y avait un article de 2-3 pages sur GTA 4, et donc je lisais tout le temps, mais tout le temps. Je lisais le même article, je regardais les mêmes photos sur l'article, parce que ça me donnait trop envie d'y jouer. Et j'ai peur de dire une connerie, donc j'attends de voir un peu la mission, mais il y avait une possibilité avec un camion, mais c'est juste pendant une mission en fait, je crois, c'est de s'accrocher sur le camion en fait. Enfin vous verrez, je crois que c'est une mission, donc vous verrez. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien, on pourrait s'accrocher comme de Just Cause tous les camions et tout, ça peut être super marrant et tout ça. Alors quand je dis Just Cause, je parle de Just Cause 1, même pas du 2. Et du coup, j'étais content. Et en fait, pas du tout. Quand j'ai vu GTA 4, j'ai essayé plein de fois avec plusieurs commandes de touches. Et en fait, ça marchait pas. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait pas et que c'était juste scripté pour la mission. Et du coup, j'étais un peu grave déçu. Voilà, j'avoue. Voilà, c'est un truc qui m'a grave vendu du rêve. Et qui finalement n'est pas dans le jeu. Voilà. C'est même pas dans GTA 5, putain, je suis dégoûté. Vraiment, je suis très déçu. Ah, quoique, peut-être que dans GTA 5, il y a moyen. Peut-être. Mais pas comme on va le voir, en fait. Enfin, je crois pas. Bref. Voilà, je vous ai raconté un peu ma vie, mais ça me fait plaisir. C'est un peu l'expérience GTA 4, quoi. Ma voiture, elle est où? Je l'avais garée là, moi. Ah oui, c'est possible. Ah, je sais pas. C'est possible que ce soit cette mission, mais je suis pas sûr. C'est, en tout cas, voilà, on pourrait s'accrocher comme ça sur le camion, en fait. C'est sur les bords, on reste accroché et on essaye de voler la voiture comme ça. Mais en fait, on peut pas, hein, concrètement. Vous le savez. Faut que je vole ce camion, n'est-ce pas? Oui. Donc oui, d'accord, on va clairement voler ma voiture. C'est quand qu'on débloque le lance-roquette? Ça me manque un peu. Bonsoir avant, non? Waouh, c'est beau! Et oui, vous voulez quoi, vous? C'est qui? C'est des gardes ou c'est juste des civils qui se sont mis là? Mais non, ça a l'air d'être des civils! Non, c'est pas des civils! J'ai même pas fait gaffe si j'avais un gilet pare-balles et tout. Je fonce dans le tas comme ça. Oh non! Non, Nico! Je t'en supplie, fais pas le con. Bouge! Bon, il va falloir passer un coup de fil à Jacob. Oh toi. Ok. Alors je sais qu'il y en a là-bas. Ah, il y a un gars dans le camion là. Voilà, c'est ça. Pour moi, on pouvait faire ça dans tout le jeu comme on voulait. Voilà, comme ça. Mais en fait, on peut pas. C'est grave scripté. J'étais déçu quand j'ai eu enfin le jeu. Oui, on fait quoi là? Allô? Ok, come on. Appuie à répétition pour grimper sur le toit du camion. Ah d'accord. Voilà, putain, pour moi on pouvait faire ça quand on voulait. Mais en fait, pas du tout. C'est complètement du script. Attention, Uncharted d'action. Mais Nico, sois pas con! Vite, va à droite. Attention, il va tourner à gauche. Attention. Oh là là, mon corps. Il fait n'importe quoi. Attention, vas-y, avance. Faut que j'appuie sur croix ou quoi? Ah non, c'est bien ce que je pensais. Attention, il va tourner, Nico. Non, Nico. Qu'il est con. Putain, mais ce corps, quoi. Hop. Allez, vas-y, avance. Avance, Bonico. Oh d'accord, on n'a pas le choix d'aller sur le côté en fait, parce que j'ai spammé pour aller à droite et il voulait pas. Mais t'es con. Allez Nico, rends ça un peu plus épique que ça là. Allez vite, dépêche-toi avant le prochain virage. Attention, tu glisses.
Salut. Dans l'arbre. On voit rien. Arrêtez, on voit rien. Vous avez tout. Cet arbre a gâché toute l'action. Hop, attends le taxi, je passe d'abord. Ah, c'est pas un taxi. Bah tant pis pour toi, maintenant t'es retourné. Oh, joli, bravo. Conduit le camion jusqu'au vieux manoir. Attends, je vais me servir comme frein de cette voiture, voilà. Impeccable. Hop, pardon, pardon. Excusez-moi. Oula, attention. Surtout ne pas planter le camion maintenant. Surtout. S'il te plaît, ne fais pas ça. Hop. Salut. Ah, c'est pas facile. Hein. Et ben voilà. Hey, you Frankie? Your uncle asked me to give you this wedding present. You're a lucky guy. I don't know about that. I gotta sit on this stuff until Phil gets over his paranoia and we could ship it. Meantime, I gotta pack it into some cars that go faster than this thing. Sounds like a fun honeymoon. Later on. Et eh bien voilà, parfait. Parfait, mon gars. Ah, on a débloqué, attendez, un nouveau truc sur la map. Je crois que c'est des quêtes annexes. Je crois... C'est quoi? Ah oui, c'est clairement des quêtes annexes, ça. Alors, je me rappelle plus ce qu'on gagne à la fin. C'est des quêtes annexes assassins. Waouh. Oh, mais non. Putain. La chute qui fait raccrocher, quoi. Bah, du coup, il n'y a même pas de points sur la map. Super. Grosse ambiance, on fait quoi, du coup? Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'ai juste... Attendez, on peut faire ça. Attendez. Attendez. On est le combien, là? On est... La sauvegarde automatique, elle est pas dans le coin, normalement. On peut pas recharger la sauvegarde auto? Attendez. Ah, si. C'est ça. C'est ça? Non, c'est clairement pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais si, attends. Bah si, c'est censé être ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, on arrête ici l'épisode de toute façon. Je voulais que vous ayez le coup de fil, mais c'est pas grave. Du coup, rendez-vous. Oula. Rendez-vous normalement samedi pour un épisode de GTA 4. Voilà, samedi. Me posez pas encore la question quand arrivera l'épisode. Ça arrive samedi. Normalement, si tout se passe bien, je vois pas pourquoi. Là, normal, j'ai plus aucun souci de mon côté. Donc, je vois pas pourquoi je devrais prendre du retard. Mercredi, c'est du Sly. On se donne rendez-vous très prochainement. Salut tout le monde. Je vous laisse avec le coup de fil. À la prochaine. Ciao. This is the voice from your past, Nico. Can you guess who it is? Florian? That's not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon! Et ben voilà, on ira voir Bernie la prochaine fois. Ah, vivement samedi. Yes! Allez, salut tout le monde. Ciao!